La prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida est gratuite au Cameroun. Une population vulnérable, les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes se regroupent dans des associations pour bénéficier des antirétroviraux, c'est-à-dire des médicaments qui traitent le VIH. Cet homme, qui parle sous l'anonymat, a des rapports sexuels avec d'autres hommes. Il dit, à partir du moment qu'il a découvert qu'il est séropositif, ce centre de santé est devenu indispensable. J'ai été amené à être pris en charge le même jour. Moi, je n'ai même pas d'abord voulu aller dans un centre public. À cause des stigmatisations, des injures. Bien que l'homosexualité soit interdite au Cameroun, les associations comme Alternative Cameroun, ici à Douala, accompagne au quotidien les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. Alternative Cameroun mène des activités dans ce sens, c'est-à-dire le sens de la défense des droits des personnes LGBTI en ce qui concerne leur santé. Selon ces ONG, la gratuité de la prise en charge aide énormément au lever des obstacles aux services de santé auxquels ces hommes font face. Là, ça permet de lever un frein important en ce qui concerne les ressources financières. La plupart des personnes que nous accueillons dans nos centres sont jeunes et donc dépendent de leur famille, à qui ils n'ont pas forcément parlé de leur maladie. Les ONG, comme Alternative Cameroun, essaient de se rapprocher de la communauté des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes afin de recenser les cas de violence, de violations de droits qu'ils sont en train de subir. Selon Joachim Tétémin, cela les aide à lever encore les obstacles devant ces hommes au service important de santé. Nous essayons de raccourcir leur parcours autant que faire se peut. On fait en sorte qu'ils aient moins de tracasseries pour avoir accès aux services dont ils ont besoin. C'est pour cela que, par exemple, nous avons fait en sorte qu'au centre, ils puissent avoir la majorité des services dont ils ont besoin. Au Cameroun, les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes se rencontrent en cachette pour des raisons de sécurité. Une cartographie des zones à risque a été produite par Alternative Cameroun afin d'éviter des cas de violence. En ce qui concerne la violence à Douala, elle pose des problèmes graves à certains hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. Beaucoup, entre eux, ont une histoire de violence, désirée à la sienne. Ça a commencé le lendemain du jour où la famille a découvert mon orientation. Alors, à ce sujet, le lendemain matin, ils sont venus dans ma boutique, ils ont emmené tout le quartier, et c'est comme ça que ma boutique est partie comme ça. L'orientation sexuelle des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes est pénalisée dans la constitution camerounaise. Cependant, le droit à la santé concerne tout le monde, sans distinction de sexe, de religion, de race. Les droits de l'homme sont les droits des homosexuels. Le droit à la santé, c'est un droit capital, parce qu'il est étroitement lié au droit à la vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Cameroun, qui veut ignorer ce droit, pas seulement contre les homosexuels, les prisonniers. Et l'actualité veut qu'on se réfère au cas de Mendoza. Quand on revient maintenant au cas des laissés pour compte, ce que non seulement on ne considère même pas comme des êtres humains, c'est-à-dire les LGBT, qu'on attrape à tout moment, on a inventé. On pénalise qui ils sont et qui ils aiment. On pénalise l'amour, en fait, en pénalisant les homosexuels. La dépénalisation de l'homosexualité est un des moyens les plus efficaces de réduire les discriminations sur le genre, les orientations sexuelles. Commençons par la loi qui ne veut même pas d'abord nous voir. La population elle-même, quand quelqu'un a des soupçons, rien que des soupçons, que tu es de la communauté LGBT, vraiment c'est le chantage, ce sont des arnaques, ce sont des agressions,
À chaque instant, vous pouvez, on vient vous arnaquer, vous allez payer des rançons. Un changement de loi favoriserait pour certains acteurs minoritaires comme Désiré une meilleure prise en charge des hommes vivant avec le VIH-Sida, la tuberculose et d'autres maladies encore.